Bonjour braves gens. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous parler d'un très beau cocktail, le Calimucho, à base de vin et de plein de petites autres choses. Et pour la bande dessinée, ce sera première vendange. A tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un petit cocktail idéal quand on est un jeune étudiant et qu'on est un peu fauché. Par exemple, pour préparer ce magnifique breuvage, vous n'avez vraiment pas besoin de grand-chose. Moi, vous voyez, j'ai sorti un peu mes économies. Voilà ce qui me restait. Et ça m'a permis de préparer un magnifique Calimucho. Alors pour le Calimucho, ce qu'il vous faut, c'est une bouteille de coca. Alors du soda au cola. Moi, j'ai pris du Coca-Cola Zéro parce que je suis allé chez mes parents et qu'ils en avaient. Ensuite, il va falloir aussi du vin. Alors essayez de trouver un vin de qualité. Mais bon, quand vous avez des économies d'étudiants, vous faites avec ce que vous pouvez. Moi, j'ai pris ce vin-là, qui est très réputé parmi mon groupe de travail étudiant. Ensuite, il va falloir une bouteille vide. Une autre technique, c'est de boire un peu du coca avant, et comme ça, vous versez directement derrière. Et si vous êtes fort, vous prenez un entonnoir, mais si vous pliez une feuille de papier, ça peut faire l'affaire hein, pour faire entonnoir. Alors, vous ouvrez votre bouteille vide, vous mettez l'entonnoir dedans, et vous allez verser le vin. Alors il faut y aller doucement parce que si vous secouez trop le vin, paraît que c'est pas bon, c'est ce que mon papa il m'a dit. Alors vous commencez à le verser. Bon, ça fait un peu de mousse, hein, mais c'est normal, faut pas s'inquiéter. Et puis voilà, vous avez versé le vin et ensuite vous ouvrez la bouteille de soda ou de coca ou de Pepsi, enfin voilà quoi. Et vous commencez à le verser dedans. Et vous allez avoir un magnifique Calimucho. Arrêtez tout, brigade du bon goût, arrêtez tout. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça va pas convenir. Si vous voulez vraiment profiter des premières vendanges, faites-vous plaisir avec un bon vin. Allez, en avant, au poste. Quoi de mieux qu'un bon verre de vin, un petit peu de soleil, une piscine, pour pouvoir profiter de cette magnifique bande dessinée. Première vendange par Vendry au scénario et Annelise Nalin au dessin. De quoi nous parle cette bande dessinée? Eh bien, je vais vous le dire. Du rite de passage à l'âge adulte. Pour une bande de jeunes gens, principalement un groupe de 3 jeunes filles, qui vont effectuer leur première vendange, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Le vin sera bien évidemment omniprésent tout au long de cette bande dessinée. J'aime beaucoup omniprésent, ça me plaît beaucoup. Et donc, ces vendanges vont donner l'occasion à ces 3 jeunes filles, mais également aux garçons qu'elles vont rencontrer, et oui, de se rechercher, de se découvrir elles-mêmes, d'apprendre finalement à se connaître par le biais de la promiscuité, encore un joli mot promiscuité, qu'offre ces premières vendanges, et donc accéder à un passage à l'âge presque adulte, parce qu'elles restent bien jeunes quand même. Hein. On pourra quand même, dans les points positifs de cette belle bande dessinée, parler des magnifiques, mais alors magnifiques et très crédibles feuilles de vigne réalisées par Annelise. Bravo Annelise, on t'aime. Et dans l'ensemble des situations qui sont extrêmement diversifiées. Peut-être un petit peu trop, et là j'aborde maintenant les points peut-être un peu plus négatifs de cette bande dessinée, où les situations étant tellement diversifiées qu'on en arrive peut-être à se perdre un petit peu parfois, ne pas bien savoir où est-ce qu'on va aboutir à la fin de cette bande dessinée, et qui reste donc globalement peut-être un peu trop ouverte sur certains personnages. La caractérisation également de ces personnages, notamment l'un des personnages principaux, sur une planche essentielle vers la fin, est un petit peu limite et demande de revenir un petit peu en arrière pour être bien sûr que ce soit bien le bon personnage. Le plus gros point négatif. Et alors là, je tape. Merde, j'ai perdu le bracelet. La bouteille de vin. Elle est où? Il manque la bouteille de vin. Attention que ça se reproduise. En conclusion, une bien belle bande dessinée qui se lit avec les yeux, pleine de nostalgie sur notre jeunesse presque passée. Un très joli premier album pour Annelise. Bravo Annelise, on t'aime encore une fois. Un album pour Vendry qui est un petit peu à contre-courant à l'exception de ce qu'il a fait sur les autres genres. En bref, un très beau moment à déguster sans Calimucho, mais avec un très bon vin rouge. Et du soleil, bien sûr. À vous.